Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Age of Mythology, l'édition étendue. Alors, j'ai repris la suite de Age of Mythology après l'épisode découverte que j'avais fait et où certaines personnes m'avaient dit que je serais très content de voir la suite de cette série. Et donc, ce que j'avais annoncé, c'était que si jamais vous vouliez qu'on fasse la suite, on se ferait la campagne ensemble. Ce que donc nous allons faire joyeusement tous ensemble. Alors c'est parti pour une très très longue campagne. On va faire la première campagne. J'hésite vraiment à balancer le... le didacticiel avec. Est-ce que je le fais ou pas? Non, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Donc on va se plonger dans The Fall of the Trident, donc la chute du Trident, qui est une campagne qui raconte l'histoire d'un général d'Atlantis, même si les Atlantéens n'apparaîtront que dans une version étendue du jeu. Ah, également, je voulais préciser, s'il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps sur la chaîne, c'est en grande partie dû au fait que j'ai été extraordinairement malade cette dernière semaine, et que je n'ai rien pu enregistrer ni monter, tout simplement parce que c'était impossible pour moi de travailler plus de 10 secondes sans mourir. Mais maintenant ça va mieux, je suis pas encore tout à fait guéri, mais ça commence à venir, du coup, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. That looked like Theris. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arcantos. Fighting old battles again? Yes. Old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted, faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today, Atlantis's enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arcantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Arcantos, awaken. Admiral, sir. Yes? We've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. You cannot ignore the omens, Arcantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis. La bataille de Troie, ça m'intéresse. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. Pensais que pour le film 3, il était chier. No, it must be you. It must be us. What in the name of... Castor, stay here! Voilà. Ça, c'est... Alors... Petite anecdote de merde, dont tout le monde se fout, je pense, mais... Les pieuvres, les calamars, les machins comme ça, ça fait partie des trucs qui me terrifient le plus. Mais genre largement le plus. Dans l'univers entier, depuis que j'ai vu des images de calamars géants, genre ça me... Arcantos is a hero, and very effective at killing myth units such as the Kraken. Alors bon, le but de cette mission, c'est de défendre Atlantis des attaques de pirates. Alors, ça va agir un petit peu comme un didacticiel. Donc je suis bien qu'on commence par ça en fait. Well done. We should prepare ourselves for more attacks. Et on est parti. Alors, c'est bon. Alors du coup, nous sommes à Atlantis. Et nous avons un certain nombre de personnes à notre disposition.
Excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone de ma banque. Alors quand ma banque m'appelle, c'est jamais bon signe. Mais bon, là, c'était pas très très grave. Fort heureusement, c'était juste des renseignements qu'ils voulaient. Ils voulaient savoir combien j'avais gagné avec YouTube. Ils sont après mon argent. L'argent des abonnés. Je vous rassure, on gagne rien du tout avec YouTube, mais genre rien. Ah, ça y est, ils arrivent. Ils vont arriver où, ces enculés? Ils vont arriver au milieu. C'est parti. Donc je disais, oui, on ne gagne rien du tout sur YouTube. Nous sommes totalement démunis de moyens encore. Même si on commence à s'améliorer un petit peu, hein, niveau moyen, etc. On commence à investir. On est encore plus ou moins faiblard dans nos moyens. Ce qui n'est pas aidé du tout par le fait que la dernière vidéo de Gotham s'est faite démonétiser et interdire d'accès sur tout le territoire français. Ce qui est très chiant, je dois bien avouer. Alors par contre les hoplites, on va pas les envoyer contre le Kraken. Parce que le Kraken a une habilité assez relou. Qui est de tuer immédiatement où est-ce qu'il va aller. Donc il a l'habilité de tuer immédiatement n'importe qui s'approche trop près de lui. Et donc ça c'est chiant. Nous allons augmenter un petit peu notre défense. Je pense qu'on va augmenter un petit peu notre rendement de bouffe également parce qu'on a besoin. Cantos, do not forget to call upon your god powers. Your god powers are located in the top center of the screen. Use the rain god power to help your farms produce more food. Exactement, du coup il pleut. Donc ouais, la dernière vidéo de Gotham s'est fait démonétiser, et pour des raisons mais stupides. Ce qui est assez relou, faut bien avouer. Ah, quand même un réseau de tourelles qui fonctionne, hein. On va laisser notre ami là. Lui, comment il va? C'est bon, il meurt. Notre armée, elle arrive dans 3 lieues. Ok, elle a 3 lieues d'ici. Bon, ça va, ça reste assez tranquille hein, comme première mission. A few moments later. Assassinez-moi ces kraken de merde! Prostagma? Prostagma? The black sails are fleeing. We'll take more than pirates to overrun Atlantis. Ouais! Même s'ils ont quasiment réussi quand même. Ah, ils ont embarqué le trident. Ils ont embarqué le trident, les enculés encore. Another message from Poseidon, Arcantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident! What? Yes, it was stolen during the fighting. Chaos. There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zathos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come?
No, I need you here in case they come back. Don't worry, this errand will not take long. Et ça, c'est dans tous les trucs mythologiques. À chaque fois, ils vont vous dire que ça va pas durer longtemps, et finalement, ça durera des plombes, comme l'Odyssée a duré 20 ans. Ouais. L'Odyssée, ça dure 20 ans, hein, dans l'histoire. Perhaps setting out on this errand really was all that was needed to appease Poseidon. Black sails, port side! And he leads us to Camos, too. Archers, ready your bows! Prepare to come about! They're going to pay for insulting Poseidon and Atlantis. Ouais! Bien, du coup, ça va être notre principale map, là. Et ça va surtout être notre dernière mission pour aujourd'hui. On va pas faire grand chose aujourd'hui. Hein. On va pas chercher très très loin parce que là, je vais pouvoir m'adonner au accord joie à construire une base. Et il y a du cochon dans le coin, putain. Oh la vache. 6 porcinets, quoi. Bien. Alors déjà, on va construire un mur. Jusqu'à la mer. On va pas faire comme la ligne Maginot, donc on va le faire jusqu'à la mer. On n'est pas des villes. Je me demande ce que ça va. Ça va quand même vachement loin. Hein. Ça s'arrête ici. Ce sera un bon poste d'observation, ça. Eh, c'est pas des villes, là, ici. Il y a une entrée ici, faut qu'on la bouche. Ah, une grosse entrée, en fait. Quoique facilement défendable. Si on la bouche ici, il y a de quoi faire. Ok. Putain, merde, tu parles d'une force d'invasion, quoi. Il y a 4 pecnos. Limite plus de cochons que de soldats, quoi. Ok, alors je vais avoir besoin de pas mal d'or. Du coup, toi, tu vas aller bûcher sur l'or. Alors, on va utiliser ce pouvoir que j'aime beaucoup. Et tu vas aller chercher de la bouffe avec ta pote, tiens. Il me faut quelqu'un pour aller chercher du bois. C'est bien. Alors comme je vous disais la dernière fois, les bateaux de pêche prennent une quantité infinie de nourriture. Et ça... c'est juste tellement golden. Non, pas assez de bois. J'ai tout utilisé pour faire des bateaux de pêche. Et je veux... donc on va construire le temple ici, tiens. Dos à la mer, ça fait très Poséidon, ça. On va explorer un petit peu. Tellement de cochons dans le coin. Normalement, dans une map, vous trouvez pas autant de cochons. Hein. Oh. J'ai aussi trouvé les ennemis. Putain, essaie de passer, connard. Haha. Tac, 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 tac. Regarde, tu peux rien faire, hein. Bon, là par contre on est sorti, c'est quand même très con. Et voilà. Nous avons une hippocampe. J'adore les hippocampes. Tellement beau. Donc les hippocampes, c'est une unité qui se débloque avec Poséidon, qui est uniquement valable pour Poséidon, et qui sert à explorer les océans. Voilà. Alors bien entendu, si vous tombez sur une map où il n'y a pas de flotte, avoir Poséidon comme dieu principal, c'est de la merde. On va se faire deux gars et on va se faire taiser. Tac. Alors bah, ici, ça se fait tranquillement. Hein, ça bute du gnou. Hein. Au moins, on a de la réserve de bouffe. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, Arès, le dieu de la... le dieu des batailles et du massacre, ou Hermès? Oui, Arès, contrairement à ce que les gens pensent, généralement les gens disent que Hadès c'est le dieu des enfers, c'est le pire, parce que c'est les enfers, c'est atroce, oulala.
Ares, c'est un démon à ce niveau-là. C'est le pire de tous. Complètement. D'ailleurs, c'est lui qu'on va prendre. Parce que les cyclopes, c'est quand même beaucoup plus pratique que des centaures. Ares, c'est le niveau oméga du... en fait, Ares, c'est Thanos, hein, dans Marvel. Là-dessus, ils se ressemblent. Hein. Je crois me souvenir qu'Ares... Ares et Mars ne se ressemblent pas, hein, par ailleurs. Genre, mais pas du tout. Mars, c'est le dieu de la guerre chez les Romains, mais c'est surtout le dieu de la guerre au sens des valeurs héroïques. Et tout ça, parce que c'était quand même c'est surtout très bien vu, hein, par les Romains, la guerre. Très pratique. Ares, c'est un gars, pour décrire un petit peu le bonhomme, il se balade avec les peaux arrachées des humains tombés au combat, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas Jôle Rigolo, hein. Jôle Rigolo. Alors, ce qui est pratique avec l'Hippocampe, c'est que c'est une unité que vous pouvez envoyer en kamikaze complètement pour de l'exploration, comme Pégase quasiment. À ceci près que Pégase n'est pas gratuit hein, comme unité, hein, si jamais il meurt, vous avez quand même à en refaire, ça coûte de l'argent. L'Hippocampe, c'est gratos. Ça, c'est une belle défense de connard, ça. Parce que, regardez. Prenons, par exemple, l'éventualité très improbable que nos amis finissent par passer par ici. Ils passent par ici. Donc, ils sont déjà sous un feu nourri de ça, qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils arrivent ici, défoncent cette porte, détruisent cette tour. Donc, ils perdent déjà beaucoup d'hommes. Ils arrivent ici, et ils sont sous le feu de cette tour-là. Avant de rencontrer la résistance ici. Et ça s'appelle une tactique de défense très bien assurée. Et je pense que nous sommes prêts, nous avons une bonne armée, à foncer dans le tas et à tout détruire sur notre passage. C'est parti. On va régler son compte à Camos et récupérer notre trident, bordel de merde. C'est parti. Et Thésée mort. Oh well. Alors le pouvoir que je viens d'activer, c'est Pestilence, je crois. C'est ça. Et c'est un pouvoir qui permet tout simplement de... d'empêcher l'ennemi de créer de nouvelles unités pendant un temps donné. C'est très pratique quand vous lancez un assaut sur une colonie qui a pas beaucoup de... ou qui a tout concentré à un même endroit. Bonjour Camos, vous êtes en état d'arrestation. Là c'est carrément être pas qu'en état d'arrestation, là tu fais carrément pas... Tu te fais mais massacrer Camos. Another time, Arcantos. Your luck will end. I will be there to see it. Your head will hang from my mast, Atlantean. Le jeu a bugué, normalement il saute. Hein. At least one of Poseidon's children still favors our enemies. Load the trident aboard the transport. We'll send it back to Atlantis immediately.
Ouais, donc le jeu a bugué, normalement il saute du haut de la falaise. Et c'est ainsi que nous arrêtons pour aujourd'hui avec les deux premières maps de la campagne Déjà Mythology. Je sais, c'était assez court, mais j'avais pas envie de faire des épisodes trop longs, parce qu'il faut quand même penser au temps de montage. On se retrouve prochainement, je sais pas, trop quand, je dirais, la semaine prochaine, mais ne prenez pas au mot, hein, il est possible que ce soit pas du tout la semaine prochaine, peut-être que ce soit plus longtemps, peut-être que ce soit plus court. Tout dépend du temps que j'ai en ce moment pour faire ça, parce qu'on prépare énormément notre voyage à la Comic-Con de mai. Donc ça prend énormément de temps. Donc on se retrouve très très vite avec un nouvel épisode de Age of Mythology, la campagne avec Scratching the Surface, où nous allons, petit tease, arriver devant les portes de la ville de Troie. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker notre page Facebook et de liker notre compte Twitter. Laissez un commentaire, likez la vidéo, je crois que je l'ai déjà dit. En tout cas, il y a un Discord également, c'est ça. Il y a un Discord dans la description dans lequel vous pouvez venir nous rejoindre, discuter avec nous, jouer avec nous et faire de cette communauté la plus belle communauté existante sur Internet. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt et ciao !